Bienvenue dans Past ou Mnemosyne. C'est un jeu de labyrinthe où on va essayer de retrouver ses souvenirs. C'est parti! Calm down. You're here because you've chosen to remember. Alors on avance avec ces touches là, devant, derrière. I'm going to help you. Empty your mind. Very well. Espace pour sauter. Parce que devant nous, il y a un bouton. Là aussi. Alors, ce premier bouton va ouvrir la porte. J'ai déjà joué, hein. Je rejoue une deuxième fois parce que sinon, j'étais vraiment pas très rapide. Et parce qu'il doit y avoir deux fins et il faut faire deux parties pour faire les deux fins. Alors ensuite, le deuxième bouton, je passe par-dessus parce qu'il va, va refermer la porte et réinitialiser le puzzle qui est devant moi. Tout en haut, on voit un point noir à gauche, un point blanc à droite, un point blanc en bas à gauche et un point noir en bas à droite. En fait, il va falloir reproduire ça avec les boutons. Et donc là, ils sont noirs et il faut que j'appuie dessus Open your mind. Pour qu'ils soient blancs. Yes. Open your mind. Qui était ici. Activate your senses. Donc ici, il va falloir que l'on appuie sur les trois boutons blancs. Sauf que les boutons, ils sont reliés ensemble. Là, les deux premiers s'allument en même temps que le premier en haut. Là, j'ai les deux derniers, les trois derniers et le milieu. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, je vais essayer d'appuyer sur celui-là, ça devrait éteindre l'autre en haut, je pense. Oui. Si j'appuie sur celui-là, ça fait quoi? Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je l'appuie sur celui-là. Et celui du milieu, comment je fais pour le mais... Ah, là je sais. Parce que tout à l'heure quand j'appuie sur le premier, ça avait allumé en haut et les deux premiers, donc là ça devrait être bon. Yes. Donc on continue. Là on voit qu'il y en a deux à allumer. Comment eux ils fonctionnent? Celui-là il fait les deux premiers devant moi et ces deux là. Donc ça c'est fait. Fonctionner. Your memories are still there. You only have to find them. Donc là je passe. Ah si je passe, je pensais pas que je passerais. Alors j'arrive ici. Et si j'appuie sur le bouton, il se passe quoi? Rien. Parce que c'est un bouton qui réinitialise. Donc il faut trouver un autre bouton. Celui-là, je pense, il doit être pas mal. Et ce bouton me permet d'avoir... Faut pas que j'appuie dessus. Hein. Je saute par-dessus. Une boule bleue. Est-ce que l'autre est activé ou pas? Oui aussi. Donc je peux monter. Et pareil, il faut pas que j'appuie dessus, sinon ça réinitialise tout. Et je récupère.
récupère la deuxième boule bleue. Là, c'est bon, on peut appuyer, ça changera plus rien. Et on continue de progresser. Rebuild your memories. Là, on a besoin de la souris, on met les boules bleues là où il n'y en a pas. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reproduire ces deux schémas-là en tournant ça pour avoir à peu près, très bien, le même schéma. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Calm down. It's just a memory. Follow the path. Alors là, il n'y a plus de chemin devant moi, donc il faut que je fasse droite gauche et ça me fait tourner la tête devant moi. Mais maintenant, il faut que je récupère. Comment je le récupère ? Ici. Build your memories. Reconstituer vos souvenirs. Alors pareil, on les met là où il n'y en a pas. Et après, le but du jeu, ça va être qu'il n'y ait pas de boule noire comme ça. Il faut que tout soit relié ensemble. Là, qu'il n'y ait pas de boule bleue toute seule, en plus, je pense pas. Bien que je pense qu'il peut y en avoir en fait. On va le mettre comme ça.
pas qu'il y ait une boule bleue toute seule. Calm down. It's just a memory. To remember will help you calm the pain. Calm down. It's just a memory. To remember will help you calm the pain.